Salut, c'est Kiali, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va faire le tour du campus de HEC Paris. Donc là, on est à l'entrée de l'école et on va commencer la visite maintenant. Donc sur la droite, c'est le bâtiment S, c'est là qu'il y a l'administration, il y a aussi des MBA qui font cours et il y a aussi des salles d'études qu'on va voir maintenant. Et la vue d'ici est juste magnifique. Là-bas, on voit le terrain de tennis. Derrière, il y a aussi un terrain de football. Il y a un très beau soleil aujourd'hui, juste pour que vous puissiez visiter avec moi. Alors que d'habitude, la météo ici, franchement, zéro pointé. Donc là, on se dirige vers le bâtiment de cours principal, le bâtiment T. Et à côté du bâtiment T, il y a généralement un food truck. Chaque jour de la semaine, un food truck différent qui permet aux étudiants de s'acheter la nourriture. Et voilà l'entrée principale du bâtiment T avec la grande arche bleue, le panneau Bienvenue à HEC Paris, voilà, voilà. Donc ça, c'est le hall du bâtiment T. Il y a plein de tables, de bancs partout pour qu'on puisse s'asseoir, discuter, travailler, etc. Et j'aime beaucoup cet endroit. Surtout, vous verrez plus loin, il y a en fait les drapeaux de toutes les associations de HEC. Je trouve ça tellement cool, en fait. C'est vraiment la chose qui m'a frappée, on va dire, quand je suis arrivée à HEC Paris. J'adore vraiment ce couloir-là spécialement. Maintenant, on va se diriger vers les salles de cours. Je vais vous montrer un amphi et puis une salle de classe aussi. Donc ça, c'est un amphi. Il y a des petits amphis, il y a des grands amphis. C'est dommage que, à cause du Covid, on ne puisse pas vraiment remplir ces classes. Sinon, imaginez les cours magistraux dedans, en fait. Et là, on se dirige vers le hall d'honneur. Là, on va vers la bibliothèque, encore appelée Learning Center. Le truc drôle avec cet endroit, c'est que c'est vraiment super reposant. La première fois que je suis venue, c'était en mars. Oui, je sais, je suis arrivée en septembre sur le campus, mais j'ai découvert la bibliothèque en mars. Oui, je sais. Mais en fait, j'ai trouvé ça tellement reposant, tellement cool. Et je me suis dit, oh, cet endroit est trop bien. Je devrais me poser ici et bosser et tout.
Mais quand je suis chez moi, j'ai juste la paresse de sortir et donc j'arrive pas très souvent ici. Alors qu'en vrai, l'endroit est vraiment propice pour travailler. Donc là, il y a encore des espaces en plein air où on peut manger. Là, on se dirige vers le restaurant universitaire. Et sur la gauche, vous pouvez voir, il y a un terrain de beach volley. Et il y a aussi plein de bancs où les étudiants s'asseyent et mangent, discutent. Donc là, on va se diriger vers ma chambre et vous pourrez voir un peu comment le campus se présente. Du moins, comment la partie résidentielle du campus se présente. De ce côté du campus, il y a des tables de ping-pong où les étudiants peuvent venir jouer. Donc voilà comment se présente ma chambre. On a la petite table de travail, également table de maquillage. Bon, on va célébrer, il y a des étagères. Et voilà ma ring light. Voilà quoi, genre mon bazar habituel. Le coin cuisine avec tout ce qu'il faut. Le balcon. Moi, j'ai quand même une superbe vue sur un mini lac. Il y a parfois des canards qui sont là et tout. Des oiseaux aussi qui viennent à mon balcon parfois. Et puis, c'est presque tout. On va voir la salle de bain. Donc c'est quelque chose de basique. J'aime trop ce grand miroir, c'est genre parfait pour les photos quoi. Nous sommes à la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je vais prochainement poster une deuxième vidéo sur tout ce qui est activité libre. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé dès que la vidéo sortira. N'oublie pas aussi de t'abonner à mes différents réseaux que je mets toujours en barre de description, voilà. Et puis, pour toutes tes questions concernant HEC, tu peux m'écrire directement sur Instagram, @kialika. Tu connais la chanson. Merci d'avoir liké parce que je sais que tu as liké. Oui, je sais que tu as liké. Je sais que tu fais l'effort de liker comme je fais l'effort de prendre mes pieds pour faire le tour de HEC. Allez, bye.